L'attentat suicide reste l'arme privilégiée des Palestiniens. Fait nouveau, l'apparition des femmes. Mercredi dernier, c'est une étudiante issue d'un milieu aisé qui a provoqué la mort de plusieurs personnes sur un barrage militaire près de Ramallah, en Cisjordanie. Sur place, Alain de Chalvron, Jean-François Renou. Devant le sigle des brigades Al-Aqsa, Darine Abou Aïcha explique le geste qu'elle s'apprête à accomplir. Quelques heures plus tard, elle va actionner sa ceinture d'explosifs à un barrage israélien. Elle avait 22 ans et allait être diplômée en anglais. Dans la maison familiale, à Beit Wazan, près de Naplouse, Wafika, la mère de Darine, reçoit les condoléances comme le veut la tradition. Darine n'avait pas averti sa famille de son geste, mais ce ne fut pas une surprise totale. Elle me disait que les mouvements islamistes dont elle était proche refusaient les candidates kamikazes. Elle désapprouvait cette position car elle pensait que les femmes devaient prendre une part plus active à l'intifada. Elle s'est donc tournée vers les brigades Al-Aqsa, mouvement laïque, proche du Fatah. Les brigades venaient de créer une section kamikaze féminine et ont donc accepté Darine sans hésiter. Hommes et femmes souffrent tous de l'occupation. Il est donc normal qu'ils combattent ensemble. Les femmes ont toujours leur place dans la résistance palestinienne. Le sacrifice de Darine a marqué la société palestinienne. Pour les jeunes femmes, les étudiantes en particulier, elle est devenue une héroïne. Darine est devenue un modèle de sacrifice pour la patrie. Chacune d'entre nous veut suivre son exemple. Souvent, j'ai pensé faire la même chose, si ça peut servir notre cause. Est-ce à dire que toutes les jeunes femmes de Palestine vont se transformer demain en kamikazes? Sûrement pas. Mais le tabou est brisé. Ces femmes sont comme une partie intégrante de la société et elles n'acceptent plus d'être écartées. Elles veulent être l'avant-garde de la lutte contre l'occupation. Darine Abou Aïcha a désormais son portrait affiché sur les murs, à l'instar des hommes kamikazes.